titre, M. Boudimbo. Quand le président de la République dit au juge, dans une de ses allocutions, si vous voyez un de mes collaborateurs qui vient auprès de vous, vous dire que nous sommes délégués par le président pour les dossiers de tel, tel, arrêtez ces conseillers-là. Vous l'avez tous suivi. Vous l'avez tous suivi. Et aujourd'hui, Jeune Afrique va, moi j'appelle ça, lancer une rumeur que Didier Boudimbo serait relâché sur ordre du président de la République. C'est une rumeur parce que Jeune Afrique n'est pas en mesure de brandir la preuve de sa déclaration. Et au-delà de ça, quand on interpelle Didier Boudimbo, on n'a pas dit qu'il était arrêté. Il est allé pour une audition au bout de laquelle les instances qui l'ont invité peuvent prouver qu'il n'y a pas intérêt de les retenir et les relâcher. Donc, le président de la République n'a rien à faire là-dedans. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'un ministre en fonction peut être interpellé comme ça. Dis-moi seulement dans l'histoire de notre Congo, ça s'est fait dans quel régime? C'est seul le régime de l'UDPS qui a mené la démocratie, qui a mené la liberté. Et le président de la République laisse toutes les institutions de la République faire son travail comme il faut. Et ça, je ne pense pas qu'il faut qu'on manque de la bonne foi pour quand même applaudir ces prouesses du président de la République et du régime de l'UDPS. Parce que M. Boudimbo, c'est un ministre en fonction. Nous avons vu hier des ministres cités dans des ventes de carrés miniers, des territoires, des portions de terre de notre pays. Ils n'ont jamais répondu. Ils n'ont jamais même été interpellés. Ceci veut dire que vous ne pouvez pas séparer ces deux peuples. La preuve en est qu'en 1992, lorsqu'on a encore amené des manipulations politiques pour entraîner ces peuples, ces mêmes peuples dans les génocides, les frères Katangé qui ont tué les Kassaïens n'ont jamais vu les Kassaïens venir en revanche contre eux, parce que les Kassaïens ont toujours ce sens de l'âme nationale, de comprendre que ce sont nos frères, ils ont commis des atrocités, mais à un moment, ils vont rester toujours nos frères. Il faut rappeler que si au Katanga, il y a tout ce qu'il y a comme activité commerciale, mais c'est parce que et les frères Kassaïens et les frères des autres régions de la République ont tous mis la main dans ce que ces activités aillent de l'avant. La Gécamines a été construite à l'époque belge avec les mains coupées des Équatoriens dans leur forêt qui devraient aller cueillir des caoutchoucs. Et c'est grâce à la vente de caoutchouc que les Belges ont eu les moyens à construire la Gécamines au Katanga. Et pour arriver à construire ça au Katanga, les Belges sont allés chercher les Kassaïens qui étaient vers le sud. Ils sont venus chercher les Loubas, les Louas, parce qu'il fallait que ces gens amènent leurs muscles et leurs têtes. Et au jour d'aujourd'hui, les courants électrique qui alimente la Gécamines vient du Bas-Congo, du Congo central. Cela montre combien nous avons cette interaction entre tous les coins de la République, à tel point que personne ne peut se taper la poitrine de dire qu'il a un monopole dans telle ou telle autre chose. Donc les frères Kassaïens qui vont au Katanga sont dans leur pays. Ils sont libres d'y aller. Et le problème du Kassaï, qu'on dise qu'il y a la faim et tout ça, ce n'est pas une exclusivité du Kassaï. Les mêmes problèmes qui se présentent au Kassaï se présentent au Bandundu. Les mêmes problèmes qui se présentent au Bandundu se présentent à l'Équateur, à Nisiro et par-ci par-là. Donc ce sont des problèmes nationaux qui doivent être pris en charge par les gouvernements de manière globale et nationale. Alors, le Katanga n'a pas de leçons à donner aux Kassaïens, ou vice-versa. Merci de nous accepter chez vous dans notre émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de la diaspora ». Nous avons comme thème principal aujourd'hui l'UDPS de l'opposition au pouvoir, plus de 3 ans d'exercice.
Et comme sous-thème, nous allons parler de l'impact du programme de régime Tshisekedi sur le social du peuple congolais. Deuxième point, nous parlerons de la sécurité nationale et de la gestion sociopolitique, c'est-à-dire état de siège à l'est du pays, du détournement des deniers publics et du trafic d'influence. Et enfin, nous allons essayer un peu de frôler sur UDPS et ses relations avec l'opposition. Et comme invité, nous aurons Dr. Denis Mulunda. La rédaction et la présentation de cette émission est de votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City. La conception et la réalisation de Makolo Digital Radio Télévision, la voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. La rediffusion vous sera rassurée sur www.lavdc.net. Je voudrais bien intervenir ici pour vous parler de mon invité du jour. Il s'appelle Dr. Denis Mulunda. Dr. Denis Mulunda, j'ai dit que vous êtes cadre de l'UDPS, Fédération des États-Unis d'Amérique, vice-président fédéral en charge de la région Nord-Est. Vous êtes aussi propriétaire et directeur général, directeur exécutif, disais-je, de Eagle Grace Healthcare, LLC, c'est-à-dire vous avez votre centre de santé. Vous êtes pratiquement à la fin de vos études de troisième cycle, sanctionnant par un diplôme de PhD, c'est-à-dire un doctorat. Vous êtes un doctorant, dans quelques jours, vous serez docteur en sciences de management et de leadership et épidémiologie à l'Université centrale de Michigan aux États-Unis d'Amérique. Bonjour, docteur Denis Mulunda. Bonjour, bonjour, monsieur Don, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci beaucoup de m'inviter. Ok, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Pour la toute première fois, nous allons essayer de parler de la crise dans notre pays d'origine dans cette noble émission. Docteur Denis Mulunda, à tout seigneur, tout honneur, dit-on. Nous commençons avec la toute première question sur la gestion de votre parti UDPS, d'où le chef de l'État est issu. L'opposition dit le parti, votre parti UDPS, n'était pas préparé ou n'était pas prête pour prendre le pouvoir, du moins autant qu'il a pris en 2019, malgré ses 37 ans d'existence, aujourd'hui nous en comptons 40, à cause de la multiplicité des programmes inconsistant, c'est-à-dire tantôt programme des 100 jours du chef de l'État, tantôt Tshilikilu, et tantôt encore Kinshasa Zéro Trou, et maintenant et enfin programme du développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo, qui semble être un vrai programme. Peut-on dire que le pouvoir, ce sont les bottes très larges et lourdes pour l'UDPS? Alors, quelle est votre réaction à cette observation de l'opposition? Merci beaucoup, M. Don. Merci pour cette opportunité que vous m'accordez de réfléchir ensemble avec les différents auditeurs, les différentes auditrices de votre grande chaîne radio-télévision qui émet à partir de New York ici aux États-Unis. Je vous en félicite d'ailleurs parce que nous avons l'habitude de vous suivre et puis c'est une fierté pour nous, la diaspora africaine en général, la diaspora congolaise en particulier, que nous ayons des jeunes fils d'Afrique et du Congo qui arrivent à se distinguer au niveau de ces pays. Pour revenir à votre question, d'abord il faut commencer par vous dire que l'UDPS, c'est le premier parti politique démocratique, comme les mots l'indiquent, en République démocratique du Congo. Il faut revenir sur l'historique, la base sur laquelle ce parti politique a été créé en 1982, lorsque les fondateurs de l'UDPS se sont mis debout pour dire non à la grande dictature qui était tenue de main de fer de monsieur l'ancien, le défunt Mobutu Sese Seko, le maréchal. Les idéaux de ces
de ces partis qui ont commencé avec ces fondateurs ont existé depuis ce temps jusqu'à ce jour et l'UDPS est sur ses idéaux. Je peux comprendre les attitudes de ceux qui nous regardent en face, qui ne comprennent pas peut-être bien les choses, parce que vous savez, dans l'ADN des Congolais, la démocratie était une matière étrangère. La démocratie ne fait pas partie de notre génome. Donc, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas encore, qui ne comprennent pas encore comment la démocratie fonctionne, s'étonneraient par rapport à la manière où l'UDPS évolue. Et moi, nous qui sommes de l'UDPS, nous ne sommes pas étonnés de voir leur réaction. Donc, l'UDPS, c'est le meilleur parti qui s'était battu depuis et s'est bien préparé pour prendre le pouvoir. Et l'UDPS avait un programme et a un programme. Mais il faudra aller en détail pour comprendre les soubassements et les contestes de l'accession de l'UDPS au pouvoir. Parce que c'est là où les problèmes se passent. La première des choses, si vous me permettez, vous vous souviendrez, parce que je ne vais pas aller trop dans les détails historiques, je m'attaque directement à notre accession au pouvoir. En 2018, lorsque la pression de la population tenue par l'UDPS, qui s'est battue contre la dictature de Mobutu, la dictature de Moïse Laurent Désiré Kabila, suivie de celle qu'on appelait, de la dictature de celui qu'on appelait son fils, M. Joseph Kabila, c'est l'UDPS qui avait les flambeaux du combat, qui a suscité l'émulation dans les pays, qui a enseigné à la population ses droits, ses devoirs et l'essence de dire non et changer les pays. C'est comme ça qu'en 2018, je disais, nous accédons au pouvoir par la manière la plus démocratique, malgré les circonstances internes de ces élections. Et vous savez bien que l'UDPS, qui faisait partie de l'opposition, n'avait pas la même mise sur l'organisation des élections. Mais suite à la pression de la population, suite à la pression de l'opposition dans laquelle nous étions à ce moment, nous faisions partie à ce moment, les pouvoirs en place, tenus des mains de fer de Joseph Kabila, un pouvoir autocratique, n'avaient pas de choix que de laisser les urnes parler. C'est comme ça que nous avons accédé au pouvoir avec notre candidat, l'actuel président, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous savez que en dehors de la présidence que l'UDPS a dit gagner, les autres élections, notamment parlementaires au niveau national et local, ont été manipulées, parce qu'il faut le dire, à tel point que l'UDPS n'a pas pu réunir la majorité qu'il fallait, n'a pas pu réunir les autres instances de pouvoir qui pouvaient nous accorder la mainmise totale ou la direction totale de notre mandat. C'est ainsi, lié par les contraintes de notre constitution, le président de la République, l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était obligé d'aller en alliance. Et quand on va en alliance, quelque part, vous devez céder une partie de vous et accepter une partie des autres. C'est comme ça que les programmes de l'UDPS, les programmes sur base desquels l'UDPS a été élu à la présidence du pays, ne pouvaient pas s'exécuter dans sa totalité, parce que nous nous sommes retrouvés dans des alliances de fait liées aux circonstances et au contexte de chaque moment, et nous pouvons encore aller en détail pour vous donner les éléments sur base desquels le programme de l'UDPS a été modifié. Mais quant à dire que l'UDPS n'avait pas de programme, ce ne sont que des paroles de détracteurs qui ne vont pas les sens, parce que c'est l'UDPS d'ailleurs qui a donné l'essence de la démocratie au pays, qui a appris à tous les autres partis politiques que c'est un programme politique, donc nous ne pouvons pas rentrer dans ça. Et seulement, nous sommes
dans une sorte de symbiosité avec certains partis politiques qui ont accepté de se mettre autour du président de la République parce que contraints par les exigences de la Constitution. Et nous sommes en train de travailler ensemble sur un programme commun de l'Union sacrée. Docteur Denis Mulunda, écoutez, la question est plus simple. Est-ce que l'UDPS, en venant au pouvoir, avait un programme établi et si oui, lequel? Puisque nous venons de vous démontrer à travers les opposants, ils disent que il n'y a pas un programme constant. Donc c'est comme si ça changeait à chaque fois qu'il y a une circonstance qui se présente. C'était les 100 jours du président de la République, c'est Chile Gilou, c'est Kinshasa Zéro Trou, comme si Kinshasa était la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les gens applaudissent le nouveau programme qui semble être le vrai programme, le développement de 145 territoires de la RDC. En dehors de ce programme colossal comme celui-ci, est-ce que en arrivant au pouvoir, 37 ans après, aujourd'hui 40 ans après, l'opposition, est-ce que vous vous sentez à l'aise au pouvoir avec quel programme? L'UDPS est venu au pouvoir avec un programme basé sur les slogans que nous avons appelé « Le peuple d'abord ». Ça, c'est pas un programme. Non, le peuple, j'ai dit que c'est un slogan qui a résumé tout notre programme, c'est-à-dire les programmes de l'UDPS, parce que je peux vous dire que ce programme a été écrit dans plus de une centaine de pages, que je ne peux pas vous lire ici s'il faut vous lire ça en détail. Est-ce que vous pouvez résumer en un mot, donc plutôt en quelques mots, quel est le programme de l'UDPS en arrivant au pouvoir? Je suis en train d'y aller. Donc, je vous dis que ce programme a été baptisé sous ce thème des peuples d'abord, ça veut dire que l'UDPS s'est battu et continue à se battre pour le progrès social de notre population. Mmh. Quand on dit progrès social, nous regardons d'abord l'homme comme centre d'intérêt pour notre parti. Nous devons, l'UDPS se bat pour réhabiliter la dignité de l'homme à partant de la famille, à partant de ses besoins primaires, à partant de tout ce qui reconstitue la valeur humaine. C'est comme ça que l'UDPS avait dans son programme la reconstitution des infrastructures de base, la reconstitution de la mentalité du Congolais, la remise au point au niveau de l'éducation, parce que c'est l'élément le plus important, et la mise en valeur de l'homme au centre des intérêts de tout ce que nous avons dans la République démocratique du Congo. Les éléments sont beaucoup plus détaillés dans un document, si vous voulez bien, pour n'importe qui voudrait voir les détails de ces documents, il peut aller sur notre site de l'UDPS pour voir les détails de ces programmes. Mais le programme en soi est consacré totalement sur les progrès sociaux du peuple congolais sur base desquels l'UDPS s'est battu depuis des années. L'instauration de la démocratie également. Merci. Allez-y. Oui, quant à revenir aux différents programmes, vous parlez de 100 jours, vous parlez de Chile Gelou, ça, ce ne sont pas des programmes. Ce sont des actions du gouvernement, les actions du président de la République qui interviennent dans le cadre du programme qu'on appelle le progrès social. 100 jours, c'est quoi? Le président de la République accède au pouvoir. Il y a des urgences dans tous les secteurs. Vous vous souviendrez et vous vous rappellerez avec moi que ce pays a été détruit depuis plus de 50 ans. Ce pays a manqué toutes les infrastructures de base. Ce pays présentait un aspect des malades grabataires, un malade qui est dans la phase finale, qui demain il va être enterré. Donc, les urgences qui se présentent, le président de la République, avec
les collaborateurs et les autres partis qui s'étaient mis en alliance avec nous, nous avons réfléchi une première action par rapport à notre programme qui était les actions d'urgence de 100 jours. Il faut appeler ça comme ça. Ce sont des actions d'urgence de 100 jours. Qu'est-ce que ça a couché Caméré en prison, ça a couché les maisons préfabriquées vraiment au sol. Donc, quel est le résultat de ces 100 jours, docteur? Oui, là, c'est un autre débat. Ce n'est pas notre débat, docteur. Donc, nous sommes en train de parler des lieux de place au pouvoir, donc nous allons parler du programme. Oui. Et quand on parle du programme, on voit aussi les retombées de ce qu'on a programmé. Alors maintenant, allons étape par étape. Le 100 jours, plus de 400 millions de dollars. Qu'est-ce que les gens peuvent voir sur le terrain et apprécier que l'argent du contribuable a été utilisé à bon escient? Oui, je suis à mal de vous dire que ce programme a été une réussite totale telle que prévue dès son... donc, je vais dire cette action-là, ces actions-là, nous ne les avons pas réalisées à 100% telles que prévues parce que il y a eu des couacs, il y a eu des faits qui ont entamé la mise en action de tout ce qui a été prévu, notamment les détournements de certains fonds qui étaient alloués à la construction des maisons pour les maisons sociales et des logements pour les militaires. Et puis, vous savez, si nous voulons rentrer à ce point, il faut ici rappeler à nos auditeurs que l'IDPS hérite d'un pouvoir sur base d'une population qui a vécu pendant 50 ans dans une dépravation généralisée des mœurs, dans une... les antivaleurs ont pris place sur des valeurs. Et aujourd'hui, l'IDPS se bat pour d'abord combattre les antivaleurs, changer les antivaleurs en valeurs, et c'est un combat qui ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Mais après trois ans, on devrait voir quand même certains signes. Oui, mais bien sûr, je ne vais pas dire que les 100 jours étaient un échec à 100%. Non, les 100 jours ont été réalisés autour des 55-60%. Ça, il faut l'avouer aujourd'hui. Citez-nous quelques éléments, oui. Mais vous avez tous ces sauts de moutons qui permettent quand même d'avoir une nouvelle image de la ville de Kinshasa. Vous avez une nouvelle image de la ville de Kinshasa. Les embouteillages sont quand même à un certain niveau résolus, les problèmes. On dit plutôt que les sauts de moutons ont amené beaucoup plus de problèmes que des solutions. Non. Là, il y a un problème de comportement et de mentalité. C'est comme ça que je suis rentré sur ces points. Il y a un problème de comportement et de mentalité du peuple congolais. C'est l'héritage de la destruction méchante de ceux qui ont dirigé le pays. Parce qu'il faut ici que ceux qui nous écoutent comprennent que l'IDPS, c'est comme un médecin qui vient prendre un malade grabataire qui se bat pour lui redonner la vie. Donc, si la mentalité de notre peuple est aujourd'hui au fond du trou, comme nous le constatons, c'est la conséquence de ceux qui ont géré ce pays hier. Non, c'est plutôt pour cette raison qu'on a voté pour vous, pour que vous puissiez amener des solutions à cet art-là. Mais c'est pas que ça continue. Nous avons ces responsabilités, mais il faut ici rappeler à nos consciences. Il est impossible à une maison qui a été détruite en 60 ans de la reconstruire en 3 jours. Il faut être scientifiquement honnête pour quels que soient nos détracteurs en face ou les adversaires. D'ailleurs, je suis étonné que ceux-là même qui ont activement tué ce pays hier, ce sont ceux-là qui aujourd'hui se mettent en face pour nous donner des leçons. Mais ils sont conscients qu'ils n'ont pas bien travaillé, alors ils ont laissé la place à l'UDPS pour que l'UDPS fasse autrement, mais il s'est fait que et la population et l'opposition, ils observent que rien n'est fait.
Non, et dire que rien n'est fait, c'est vraiment de la mauvaise foi. Parce que vous savez, lorsque vous voulez construire une maison, vous trouvez, vous avez, je vais dire ça de manière un peu terre à terre, vous avez un espace à laquelle on vous indique de monter, de construire une maison, un immeuble. Vous commencez par remplir la terre, vous commencez par remplir les sols et commencez par des fondations et jusqu'à ce que les murs vont sortir de terre. Nous avons trouvé ce pays au fond de l'abîme. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, moi je comprends l'impatience de la population, la population est enfamée, la population est dans la détresse, c'est comme les enfants qu'on a laissés depuis le matin sans manger, quand ils voient leur maman revenir, ils ont hâte à manger, ils ont besoin de manger, il y en a même d'autres qui préfèrent aller prendre des choses crues et manger, mais ils doivent prendre de la patience parce que la maman doit cuisiner et mettre ça à table pour qu'ils mangent. Les pays, c'est exactement ça. Les pays étaient dans l'abîme, avec tous les problèmes sécuritaires à l'Est, avec tous les problèmes des infrastructures. L'État n'existait pas, il n'y avait pas l'administration. Docteur, écoutez, c'est ce qu'ils disent, que vous pleurnichez trop. Donc quand on vous pose la question, vous vous rabattez sur les 50 ans passés, au lieu de dire... ce que vous avez fait pour... Parce que quand on vote pour un parti politique, donc c'est pour dire que ce sont les gens qui viennent avec des solutions. Nous savons que le pays a été ce qu'il est actuellement à cause de la mauvaise gestion. Maintenant que vous êtes là, quels sont les éléments qui vont dire que non, voilà, nous avons eu un Moïse qui est venu pour répondre à ces problèmes. Mais il s'est fait que chaque fois qu'on pose cette question aux gens de l'UDPS, c'est pour « Kabila était mauvais, Mobutu était mauvais ». Ce n'est pas ça. Il y a un ami de FCC qui dit, non, eux, quand ils étaient au pouvoir, ils n'avaient jamais fait allusion que Mobutu a détruit le pays. Ils endossaient tout et ils faisaient ce qu'ils ont fait. Mais vous, chaque fois, quand on vous pose une question sur ce que vous avez fait, oh, c'était trop dur puisque Mobutu a détruit, puisque Kabila a détruit. Mais finalement, pourquoi vous êtes au pouvoir? Non, nous sommes en train... Merci beaucoup, merci pour ces réponses. Vous dites que nous, de l'UDPS... Non, chaque fois, ce que nous voulons, c'est remettre les gens dans le contexte des choses. Vous savez, un pays ne se dirige pas comme un bien privé. Ça s'est fait en relégation. C'est-à-dire, aujourd'hui, si l'UDPS gère, il gère de manière consciente, de telle sorte que celui qui va venir demain trouve les réalisations et poursuit sur base de ces réalisations. Si nous évoquons l'histoire, c'est pour donner le contexte dans lequel nous travaillons. Et si j'évoquais le passé, c'est pour relever aujourd'hui que tout ce que l'UDPS est en train de faire ou a su faire pendant ces 3 ans, il est difficile que ceci soit beaucoup plus remarquable parce que les fonds du problème étaient beaucoup plus larges. C'est comme si vous avez un grand trou à remplir, mais dans quelques jours, vous pouvez déjà avoir commencé à remplir jusqu'à 20% à 30%. Il est difficile que ceux qui vous observent de loin disent que vous avez déjà rempli ces trous. C'est exactement ce qui se passe. Si nous évoquons le passé, c'est sur base de ça, mais l'UDPS, dans ces 3 ans, a réalisé beaucoup de choses. Beaucoup de choses et je suis à mesure de vous énumérer certaines. On y reviendra. Mais oui. Ce qu'on reproche aussi, c'est que, selon les observateurs, les détournements de deniers publics est très accentué pendant cette période que les autres régimes, semble-t-il. Non. Ce sont moins encore les gens qui sont au pouvoir. Nous avons quelques cas où les gens sont partis d'ici, de l'Europe, pas pour chercher le boulot, mais pour amener les investisseurs, mais ils sont bloqués et beaucoup de projets ne sont même pas au début de l'engagement à cause de la rétrocommission. 10% qu'on demande à chaque investisseur. Il y a tout à l'heure avec un projet de 1 milliard de dollars. Ils se disent, bon, si on doit donner une commission de 10%, c'est-à-dire 100 millions de dollars gratuitement, que eux vont commencer à payer, à rembourser à la banque qui les a prêté ça, ils trouvent ça anormal, autant plier bagages et rentrer au pays, dans leur pays d'origine. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je suis désolé d'écouter cette histoire. Vous savez,
Ici, il faut reconnaître que la mentalité congolaise, elle n'est pas encore, elle constitue encore un long chemin à se battre pour réellement la changer. Donc, pour parler de détournement d'abord, rentrons par là. Si vous dites qu'il y a plus de détournement maintenant que dans le passé, moi je dis que c'est faux. Oui, ces gens qui disent que c'est faux. C'est faux et je vais le démontrer. Vous savez, la thématique fait que l'IDPS venu au pouvoir a mené la liberté et la clarté dans la gestion de choses. Mais là, elle a trouvé une caisse pleine quand même, plus d'un milliard de dollars. Non, j'y arrive. L'IDPS arrive au pouvoir en succédant sur un pouvoir autocratique. Hier, lorsqu'il y avait des détournements, lorsqu'il y avait des vols, des ventes illicites des portions de terre de notre pays, personne n'avait la capacité de les dénoncer facilement ou de traduire n'importe quelle autorité impliquée en justice. La preuve en est que l'inspection générale des finances n'était pas d'actualité avant nous. Elle est d'actualité aujourd'hui. Il y a trop de bruit, mais on ne voit pas l'argent retourner dans les comptes de l'État. J'y arrive. Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est grâce à l'IDPS que toutes ces pratiques qui se faisaient en silence, qui se faisaient en faisant taire tout le monde, aujourd'hui, ces pratiques, grâce à la démocratie que l'IDPS a amenée, même un huissier d'un tel département ou d'un tel ministère est capable de dénoncer son ministre qui l'a vu voler. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on parle trop de détournement. Non, c'est ce qui se faisait hier. D'ailleurs, plus que ça, mais qu'on ne pouvait pas dénoncer parce que les gens vivaient dans la peur, les gens vivaient dans l'insécurité de leur vie. Qui pouvait dire tel à tel ministre, à telle famille hier. Mais aujourd'hui, que ce soit même la famille du président de la République, elle est exposée aux critiques et aux analyses de tout le monde avec toute liberté. Et votre presse, vous êtes un grand journaliste, vous pouvez observer ça sur le terrain. C'est comme ça que tout ce que les gens dénoncent aujourd'hui, encore que dénoncer c'est une chose, mais il faut que la justice fasse son travail pour réellement prouver que ce qui a été dénoncé est vrai, mais c'est cette liberté-là qui est le fruit de l'accession du pouvoir de l'IDPS aujourd'hui. Et pour venir à la question de ceux qui détournent, la mentalité, comme je l'ai dit, c'est un héritage de l'histoire. C'est un héritage de l'histoire. Il est impossible que l'IDPS, dans ces 3 ans, nous puissions changer, mais nous sommes en train d'y travailler sérieusement. Docteur Denis, nous pouvons les caisses de l'État avec un budget de moins de 4 milliards docteur de dollars. Docteur Denis, écoutez. D'ailleurs, un budget, je peux terminer s'il vous plaît? Allez-y. Un budget qui était à presque 60% accrédité de l'extérieur par des dons et des appuis de nos partenaires traditionnels. Mais aujourd'hui, c'est en 3 ans de l'IDPS, les caisses de l'État, le gouvernement est capable d'amener les budgets de moins de 4 milliards à 10 milliards de dollars avec des réserves de plus de 3 milliards. Ça, c'est la gestion de l'IDPS. Et c'est personne ne peut douter de cette gestion. Et comparé par rapport à ce qui s'est fait dans le passé. D'accord, mais quand on voit vraiment que jusque-là, le chef de l'État n'est pas cité ou trempé de n'importe quoi, mais c'est toujours son entourage immédiat qui est impliqué. Nous avons parlé de son ex du RECAB et qui était impliqué dans la même gestion. Nous avons parlé d'un projet qui était géré à partir de la présidence Tshile Djilu. Est-ce que vous pouvez nous dire tout ce qu'on a dénoncé, des centaines de millions de dollars qui se sont volatilisés? Est-ce que vous avez un mot là-dessus?
Oui, le directeur de cabinet, l'ancien directeur de cabinet du président de la République, qui a été impliqué dans les détournements des fonds de 100 jours, est allé en justice. C'est une première. Il n'est plus là maintenant. Il est en train de sillonner les rues en Europe. Mais il faut rafraîchir la mémoire de ceux qui nous écoutent, parce que peut-être tous ne sont pas congolais. Il faut qu'ils sachent d'où nous venons avec cette histoire. C'est la première fois qu'un directeur du cabinet du chef de l'État, je peux dire en Afrique, soit traîné en justice comme monsieur tout le monde. Et vous l'avez vu, ça c'est la prouesse de l'IDPS. Il est allé en justice et la justice a fait son travail. Le président de la République n'y a été mêlé ni de loin ni de près. Il a laissé la justice faire son travail. Et au bout desquels, cette même justice est entrée dans les méandres de ce que nous appelons aujourd'hui l'appel et tout ça. Vous savez, moi je ne suis pas juriste. Vous comprendrez que nous qui ne sommes pas juristes, nous avons toujours reproché à notre justice le fait que nous avons une justice qui est copiée sur le modèle occidental, qui n'est pas beaucoup trop, ça c'est mon point de vue personnel, qui n'est pas beaucoup trop adapté à nos réalités, les réalités de chez nous. Et aujourd'hui, si les gens peuvent reprocher quelque chose, c'est à la justice. Cette même justice, docteur Denis, vous amenez à la question suivante. Nous avons tous suivi les ministres des hydrocarbures, Didier Bidimbu, est interpellé et relâché après. Bon, on ne sait pas exactement, puisqu'il y a toujours des spéculations là-dessus, et que selon la revue Jeune Afrique, il a été relaxé, relâché par l'intervention expresse du chef de l'État, tel que nous le connaissons. Il ne sait jamais, il a dit qu'il va laisser le pouvoir judiciaire indépendant, faire son travail indépendamment. Mais maintenant, dans cette histoire du ministre, il paraîtrait que c'était sur coup de fil, selon Jeune Afrique, qu'on l'a relaxé. C'est aussi ce que l'opposition dit, que l'affaire Caméré était est encore en justice, mais le président de la République, sur les antennes d'un média quelconque à Kinshasa, il a essayé un peu de louer Caméré de son intelligence, de son efficacité, et surtout quand il dit que non, il a encore un rôle très important à jouer dans ce pays. Et il y a des bruits vrais ou faux qu'on est en train de préparer sa libération, tel qu'on a vu avec la Cour de cassation qui a cassé carrément la décision de son emprisonnement de 13 ans. Et on renvoie encore le même cas au jugement. Et les juges qui avaient décidé de 13 ans la cassation, c'est les juges présidents. Maintenant, quand on renvoie là-bas, lui, ce juge-là ne peut pas faire partir du groupe des gens qui vont encore le réjuger. Donc, c'est lui qui va constituer encore le bureau pour que les gens jugent. Est-ce que vous pensez qu'on va changer vraiment ce qu'il y a eu? Mais dans tout ça, on dit que le chef, tant que le chef du système judiciaire, a influencé la libération du ministre Didier et qui prépare la libération de Caméré. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, merci beaucoup. Dans la première des choses, il faut savoir que notre justice, le président de la République l'avait dit une fois dans une de ses allocutions, que notre justice a besoin de beaucoup de réformes. Et vous savez, les réformes se font à travers les parlements, les parlementaires ou les députés nationaux. Et les députés nationaux, dans le contexte que nous sommes actuels, ils ne viennent pas tous de l'IDPS. Nous sommes, à l'IDPS, en train de voir comment nous battre, de telle sorte que demain, si nous avons la majorité parlementaire qui a vraiment l'ADN de l'IDPS, c'est-à-dire qui comprend bien l'idéologie de l'état des droits de l'IDPS, puisse engager de grandes réformes dans le secteur de la justice. Comme autant dans d'autres secteurs, ces réformes, le pays en a vraiment besoin. Et je reviens à la question de Didier Bidimbu. Le président de la République, vous le savez,
Je vais vous rappeler un petit truc ici. Nous sommes en 2019 ou 2020 au début. Un cousin du président de la République se retrouve du côté dans une des villes à l'est avec un de ses gardes dans une situation où il ordonne à son garde de tirer des balles en l'air pour une dissuasion. C'était dans une boîte de nuit, quelque chose comme ça. Et finalement, la sécurité vient mettre la main sur l'individu. On l'amène en garde quelque part. Après, il se rend compte que c'était un cousin au chef de l'État. L'information remonte, arrive chez le chef de l'État. Le chef de l'État répond vite, il dit il doit être jugé comme tout le monde. Il doit passer par la justice comme tout le monde. Je n'ai pas à y intervenir. Le monsieur a passé plus d'une semaine là-bas en suivant toutes les étapes de la justice et finalement, au bout desquelles, comme on avait trouvé, la justice avait trouvé qu'il fallait les libérer, la justice l'a libéré. C'est ça le président de la République et c'est ça l'IDP. Monsieur Boudimbo, quand le président de la République dit au juge dans une de ses allocutions, si vous voyez un de mes collaborateurs qui vient auprès de vous, vous dire que nous sommes délégués par le président pour les dossiers de tel, arrêtez ces conseillers-là. Vous l'avez tous suivi. Et aujourd'hui, Jeune Afrique va, moi j'appelle ça, lancer une rumeur que Didier Boudimbo serait relâché sur ordre du président de la République. C'est une rumeur parce que Jeune Afrique n'est pas en mesure de brandir la preuve de sa déclaration. Et au-delà de ça, quand on interpelle Didier Boudimbo, on n'a pas dit qu'il était arrêté. Il est allé pour une audition, au bout de laquelle les instances qui l'ont invité peuvent prouver qu'il n'y a pas intérêt de les retenir et les relâcher. Donc le président de la République n'a rien à faire là-dedans. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'un ministre en fonction est être interpellé comme ça. Dis-moi seulement dans l'histoire de notre Congo, ça s'est fait dans quel régime? C'est seul le régime de l'IDPS qui a mené la démocratie, qui a mené la liberté, et le président de la République laisse toutes les institutions de la République faire son travail comme il faut. Et ça, je ne pense pas qu'il faut qu'on manque de la bonne foi pour quand même applaudir ces prouesses du président de la République et du régime de l'IDPS. Parce que M. Boudimbo, c'était ministre en fonction. Nous avons vu hier des ministres cités dans des ventes de carrés miniers, des territoires, des portions de terre de notre pays. Ils n'ont jamais répondu. Ils n'ont jamais même été interpellés. Et même pour discuter de leurs dossiers sur des plateaux de télévision, les journalistes avaient peur. Mais aujourd'hui, il faut quand même applaudir ces avancées-là. Pour revenir à la question de Vital Kamerhe, le président de la République dit que c'était un monsieur honnête, il a un rôle à jouer. Mais bien sûr, c'est du point de vue politique. Le président de la République est en alliance politiquement avec monsieur Kamerhe. Et lorsque le président aimait son point de vue, il l'a dit, ça c'est mon point de vue, qui n'a rien à voir avec la justice qui était encore en cours. Parce que je me souviens qu'à ce moment-là, son dossier était encore en cours. Donc, un point de vue personnel du président de la République qui politiquement aimait ça par rapport à son allié qui est Vital Kamerhe, n'a rien à entraver sur la procédure de la justice. Nous l'avons vu ailleurs, nous l'avons vu chez les autres. Je ne vois pas pourquoi les gens vont s'accrocher sur ces points de vue personnels du président de la République, qui d'ailleurs interpelle la justice tous les jours à faire son travail et demande même à la justice de montrer les retombées de tous ces procès et toutes les condamnations qu'il y a. Vous savez que là encore, il y a un grand travail à faire. Il y a beaucoup de réformes qu'il faut faire à ce niveau-là. Il faut que les choses soient beaucoup plus claires. Le président de la République, au jour d'aujourd'hui, le Congo, nous avons cette chance-là d'avoir un homme d'État qui n'impose pas aux autres institutions la manière de faire leur travail.
Tout à fait. Et nous le savons tous. Tout à fait, mais ce qui est vrai, que quand une affaire est encore en justice, qui suit son cours, donc on recommande à toute personne de ne pas faire de commentaires, puisqu'ils peuvent influencer la décision. Alors, docteur Denis Mulunda, oui. Le temps file, nous passons à une rubrique très importante de l'actualité. L'actualité, c'est aussi l'Est de la République démocratique du Congo, où le Premier ministre Sama Lukonde s'en est allé pour l'évaluation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Il faut rappeler que le 6 mai 2001, l'année passée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait décrété l'état des sièges pour mettre fin aux violences et aux guerres dans les deux provinces précitées. Le lundi passé, donc le 4 avril, la 21e prorogation a été l'objet des discussions au Parlement. Certains des parlementaires, 10 à peu près, ont traîné le pied. Alors ça, c'est une question pour vous. Quelle analyse faites-vous de l'état des sièges d'abord? Oui, merci beaucoup pour la question. L'état des sièges au jour d'aujourd'hui a amené beaucoup de progrès dans cette guerre qui existe à l'est du pays depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Nous n'avons jamais été proches de la paix à l'est du pays depuis que ces atrocités ont commencé au jour d'aujourd'hui. Je dis ça sous le contrôle des habitants de l'est. J'ai eu la chance d'être en contact avec un frère qui est à Nuturi, qui est un médecin. Un médecin qui est de l'autre côté, avec qui nous avons parcouru la formation ensemble à l'Université de Kinshasa. Et au jour d'aujourd'hui, l'état de siège a permis à la République de recouvrir près de 97% de ses territoires. Je dis bien, près de 97% de ses territoires sont sous le contrôle de l'État congolais. C'est une avancée, des avancées très, très importantes qu'on n'a jamais eues dans le passé. Ça, c'est grâce à l'état des sièges. Mais vous savez, comme on l'a toujours dit, la guerre qui se passe de l'autre côté, c'est du guérilla. Ce n'est pas une guerre classique où vous avez les ennemis en face qui sont bien constitués et que, classiquement, vous vous affrontez. Non, ici, nous avons affaire à des groupes terroristes, à des groupes qui agissent, oui, bien sûr, comme des terroristes, et qu'il nous faut aussi des manières beaucoup trop spécifiques et beaucoup de tactiques pour aller au bout de ces groupes-là. Mais là encore, il y a un élément, ce sont ces mêmes mises de l'extérieur qui continuent toujours à alimenter ces atrocités à l'est du pays. Ces groupes qui tirent des ficelles, qui sont à l'extérieur et d'autres sont même à l'intérieur et vivent même à Kinshasa là, et certains sont même dans les institutions, je parle des institutions parlementaires et autres. Vous avez suivi la fois passée le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, qui a voulu dire quelque chose dans son sens. Donc, il disait aux parlementaires quitter les groupes... Quitter les groupes armés de l'Est. S'ils savent que ce sont ces gens-là qui sont en train d'entretenir ces tueries inutiles, pourquoi ne pas les démasquer et les mettre hors état de nuire? Oui, une bonne question. Mais vous savez, ici, ce sont des matières sécuritaires. Vous savez, les matières sécuritaires, il y a beaucoup de tactiques avec lesquelles on affronte ça. On ne va pas faire des choses pour juste la bonne mise en scène, on a arrêté tel ou tel. Mais vous ne savez pas si, de manière sécuritaire, tous ces gens ont collaboré avec la sécurité de l'État pour avoir des progrès qu'on a sur le terrain aujourd'hui. Regardez combien de nos frères, même natifs de l'Est, ont été impliqués directement dans ces trafics-là, de tout ce qui se passe. Toutes ces atrocités de l'Est. Vous ne savez pas combien aujourd'hui ce progrès est venu de ce travail sécuritaire et spécial qu'il faut même applaudir. Donc, c'est un domaine de l'intelligence
parce que la guerre aussi, ce n'est pas une guerre classique. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui demander pourquoi on n'a pas dénoncé tel ou tel, pourquoi on ne l'a pas officiellement arrêté ou non. Je pense que là, il y a des tactiques, il y a de l'intelligence qu'il fallait mettre. Mais en général, ce qu'il faut retenir, c'est ces progrès. C'est ces progrès qu'on a sur le terrain. Non, les, progrès de récupérer les contrées, mais il paraît les atrocités, donc les tueries, ont augmenté en intensité que ce qu'a été, par exemple, l'année dernière. Dire que les atrocités, vous savez, on l'avait expliqué autrefois, quand des troupes sont en débandade, le long de leur ils commettent des actes de manière disparate. Ça arrive. Nous avons vu ça même dans d'autres pays. Ça arrive. Et vous avez ici, en Amérique du Sud, en Colombie, où des bandes armées ont régné des siècles et siècles, ce qui n'était même pas facile de mettre fin à ça. Ce sont des genres d'atrocités, des genres de conflits qui demandent beaucoup d'intelligence et qui, même dans d'autres pays, on interdirait même de débattre sur des questions-là, sur des places publiques. Mais chez nous, avec la démocratie apportée et affranchie par l'IDPS, aujourd'hui, tout le monde a droit au débat, sur même des matières sécuritaires chez nous. Oui, oui, mais il faut retenir. Les débats aussi sur la toile, c'est ce qui s'était passé toujours à l'est de la République en matière sécuritaire. Le président de la République avait, depuis le 30 novembre 2021, ordonné à ce que les militaires ougandais viennent s'attacher au FARDC pour contrer le plus rapidement possible, mettre hors d'état de nuire les ADF Nalu, docteur Mulunda. Qu'est-ce que cette coalition a produit à ces jours? Mais, est-ce que vous pensez que l'insécurité est maîtrisée depuis que les Ougandais sont à côté des FARDC? Donc, il fallait les faire. Le président de la République avait suffisamment à expliquer les besoins de la cause sur ces points. Vous savez, les troupes qui opèrent, ils opèrent sur des zones qui sont frontalières. Donc, à un moment, quand ils sont pour chasser de l'autre côté, ils pouvaient aller de l'autre côté des autres pays, par exemple l'Ouganda, le Rwanda, Burundi, Tanzanie et autres. Mais à un moment, il aurait fallu trouver des voisins qui sont francs, qui pouvaient collaborer avec nous pour réellement mettre fin à ce genre de trafic, à ce genre de désordre que ces gens sont en train de mettre de l'autre côté. Dieu a fait grâce parce que l'Ouganda s'est retrouvé dans les mêmes conditions, des difficultés sécuritaires comme nous. Vous vous souviendrez, l'année passée, en mars, bien sûr, cet attentat qui a eu lieu, d'ailleurs, à deux reprises dans la capitale de l'Ouganda, Kampala, qui avait consumé une dizaine de personnes. Le gouvernement ougandais s'est retrouvé dans un besoin d'urgence de traquer ces malfrats qui étaient en train de naviguer entre nos deux frontières. C'est comme ça que le président de la République, avec son sens élevé de diplomatie, a saisi l'occasion pour mettre une coalition qui pouvait travailler dans ce sens. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. Même si l'opposition a mal de positionnement, a toujours tiré sur tout. Ils ont interprété dans tous les sens. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. J'ai pensé qu'honnêtement, ils pouvaient revenir sur leurs paroles. Mais si nous applaudissons que cette coopération nous a permis d'aller de l'avant et nous la poursuivons toujours pour que la paix soit totalement apportée à l'est du Congo. Et vous vous souviendrez qu'il y a une route qui est en train d'être reconstruite, asphaltée, pour réunir les villes de l'Est avec les capitales ougandaises, pour permettre l'évacuation des personnes et de leurs biens, les échanges, et ramener la vie de ce côté-là de l'Est de la République. Et quand on a un voisin qui joue un jeu franc, qui a besoin de la paix, c'est un voisin intéressant avec lequel
notre pays ou notre gouvernement a le devoir de collaborer avec. Mais qui finance cette route-là? Puisque l'Ouganda, de toute façon, n'est pas aussi nanti que la RDC. Et qui finance cette route-là, docteur? La route Ouganda-Congo est financée par les deux gouvernements. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis sa part avec le gouvernement de l'Ouganda, de telle sorte que chacun construit jusqu'à sa frontière et donc pour réunir les deux bouts au niveau de notre frontière. Ce n'est pas ce que l'Ouganda a présenté devant son Parlement. Nous avons suivi les débats au Parlement ougandais. C'est comme si... c'est l'argent qui venait du trésor public ougandais. Alors, on avance, docteur. Non, il ne faut pas laisser ça dans l'esprit de nos auditeurs. Ouganda finance sa route jusqu'à la frontière du Congo. Justement, et le Congo non. fait sa part. Non. C'est l'Ouganda qui vient. Vous allez un peu revoir ça, selon les informations que nous avons. L'Ouganda vient à l'intérieur de la RDC pour construire cette route-là. Non, il y a des choses, chers journalistes, parce qu'il ne faut pas laisser ça filer dans l'esprit des gens. L'Ouganda, on va utiliser l'expertise technique de l'Ouganda pour construire jusqu'à l'intérieur du Congo, mais le financement pour la portion de l'intérieur du Congo vient du gouvernement congolais. Il faut qu'on apporte cette précision-là. Merci beaucoup. Merci pour la précision. Vous avez cité l'opposition. Parlons d'elle. L'opposition, comme la population congolaise, sont trop critique face au régime actuel de Félix Tshisekedi, chef de l'État, de l'UDPS, disant qu'aucun des besoins de la population n'a trouvé solution à ces jours. Et de l'autre côté, l'UDPS ne veut pas qu'on critique le chef de l'État ou le régime actuel. Elle parle plutôt de jalousie et de haine. En même temps, la même UDPS dit ne pas se sentir responsable du bilan de ce quinquennat en cours, parce que le parti n'a pas de majorité parlementaire. Vous avez parlé là-dessus un tout petit peu. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est vouloir une chose et son contraire à la fois, docteur Mulunda? Non, pour commencer à votre dernière question, les bilans de ces quinquennats, c'est les bilans de l'UDPS. Si, je ne sais pas, officiellement, si l'UDPS a rejeté ce bilan. Le secrétaire général a dit que c'est un bilan à partager avec tout le monde. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire, ce n'est pas le bilan, c'est le bilan de l'UDPS, mais ce n'est pas à l'UDPS seul, parce que l'UDPS a géré, a co-géré. Vous savez, j'ai évoqué l'élément de l'EDBI, le contexte a fait que l'UDPS n'ayant pas la majorité, nous sommes retrouvés devant les contraintes constitutionnelles d'aller en coalition avec les autres. Donc, ces bilans, nous les partagerons avec tous ceux qui ont géré avec nous. Mais pourquoi ne pas dire que c'est le bilan de l'UDPS, puisque le président de la République, il est de l'UDPS, c'est lui le chef. Non, mais le président de la République ne gère pas seul. Le premier ministre n'est pas de l'UDPS. Tous ces différents ministres ne sont pas de l'UDPS. Les autres institutions, comme le Parlement, les Sénats et autres, ce ne sont pas les membres de l'UDPS qui gèrent ces institutions. Nous devrions tous avoir ce sens élevé d'assumer ce que nous faisons. Et en plus, moi, je ne vois pas, parce que dans le sens des choses, c'est comme si l'UDPS aurait honte d'assumer son bilan. Non, nous nous assumons. Nous nous assumons, il faut relever aujourd'hui que ce bilan, c'est un bilan qui est progressif. Parce que je ne parle pas, je ne peux pas les juger encore, nous sommes en cours de notre mandat, mais c'est un bilan qui est progressif. Il faut que les gens sachent, parce que lorsque scientifiquement vous devez faire l'évaluation de quelque chose, vous devez d'abord savoir d'où vous partez, et puis pour savoir où vous en êtes. C'est comme ça, c'est à ce sens-là qu'on peut être honnêtement et scientifiquement capable de dire ce que l'IDPS a fait ou pas. Qu'est-ce que l'UDPS a fait avec Tshilegilu jusqu'au... Il est vrai que l'assiette du Congolais pose encore problème. Il est vrai. Mais permets-moi que je vous dise ce que l'UDPS a fait. Mais avant d'y aller, Tshilegilu. Oui, je vais revenir à Tshilegilu. Regardez à Kinshasa.
Regardez à Kinshasa. Vous avez des routes qui n'ont jamais été confectionnées depuis l'indépendance, depuis que les Belges les ont laissées. Mais grâce à Tshilekelu, les habitants de Makala, les habitants de Boumou sont contents. Et je vous demanderai d'amener vos caméras là, à ce niveau, poser des questions à ces populations. Allez-y en Mbujimayi. Nous, la seule difficulté que nous avons, c'est parce que il y a un couac au niveau de la communication des actions du chef de l'État. Mais allez-y à Bandaka. Vous avez vu des districts et des cités où la population était dans la joie, dans l'allégresse de voir pour la première fois l'électricité, les ampoules éclairer leur cité. Aujourd'hui à Bandaka, des grandes routes sont en train d'être asphaltées. Il y a des écoles qui ont été reconstruites au Bandundu. Amenez des caméras, vous allez sur place. Aujourd'hui, la route qui relie l'Angola, en passant par Chikapa jusqu'à réunir ses rencontres avec celles qui viennent de Kinshasa, aller jusqu'à Kananga, de Kananga Mbujimayi, cette route est dans une avancée considérable. Et en plus de cela, regardez, à Kananga, les routes sont en train d'être construites. Mais il faut savoir que la demande ou les besoins sont tellement énormes que lorsqu'on réalise 30%, 40%, il est difficile que ça s'affiche au-dessus de l'eau. Mais aujourd'hui, Tshilekelu est en train de faire. Parce que quand on juge Tshilekelu, il faut juger sur base de la définition qui a fait Tshilekelu. Et si vous avez les éléments sur base desquels l'action Tshilekelu a été définie, vous verrez que Tshilekelu est en train de progresser ou pas. En Mbujimayi, l'hôpital, la grande hôpital, d'ailleurs ça sera le plus grand hôpital du Grand Kasaï, ça sera inauguré. Ça sera inauguré. Donc, il faut avouer que les besoins sont énormes. Il faut avouer que nous ne pouvons pas remplir les assiettes des Congolais sans que les infrastructures de base soient d'abord... Vous avez été voté pour remplir ces assiettes-là, mais il n'y a rien concrètement. Nous sommes en train de travailler pour y arriver. Okay. Il faut que la population... Parce que le problème, c'est nos détracteurs qui sont en face, qui sont en train de manipuler par la mauvaise foi la population. Nous n'avons jamais vu un régime qui se met aussi au travail pour son peuple que ce régime que nous avons. Parce que, vous savez, dans 3 ans seulement, ce que nous avons réalisé, les autres n'ont même pas réalisé ça dans 18 ans. Nous avons trouvé la société de transport de Kinshasa, créée en 2016, si je ne me trompe pas, avec 60 bus. D'ailleurs, ces 60 bus qui étaient tous certains sur par terre, là, dans une parcelle privée d'un individu au pouvoir, d'un dignitaire de pouvoir. Fatih, aujourd'hui, a amené plus de 500 bus qui circulent dans la ville de Kinshasa. Il y a des bus qui ont été envoyés dans la ville de Siro. Il y a des bus qui ont été envoyés à l'Équateur, à Bandaka. Pour la première fois, les gens dans ces contrées-là vont aussi voir des bus modernes rouler dans leur cité. Qu'en est-il de Transacadémia? Oui, mais j'y arrive. Aujourd'hui, les étudiants, j'ai été étudiant à l'université de Kinshasa. Nous n'avons jamais eu de bus. Mais les gens ne voient pas nous. On a vu ça à l'inauguration, mais on n'a jamais vu ça sur les routes. Non, il y a ici, lorsque le président a inauguré et puis annoncé officiellement les dons de ces bus au corps académique de la ville de Kinshasa, il aurait fallu que les mécanismes se mettent en place pour identifier qui est étudiant qui devra prendre ce bus gratuitement et qui ne l'est pas. Sinon, vous savez, comme la mentalité est encore dépravée, tout le monde ferait des fraudes là-dessus et les bénéficiaires, peut-être, n'aura pas trop d'occasion de d'utiliser ça. C'est comme ça qu'on est en train de mettre des cartes électroniques. D'abord, il fallait commencer par identifier les étudiants
émettre des cartes électroniques à ces étudiants qui vont les permettre chaque fois, quand ils vont prendre ces bus, d'être réellement identifiés comme étudiants. Et vous avez dit que ça sera gratuit, donc nous sommes dans un système communiste ou quoi? Ce n'est pas un système communiste, l'IDP c'est un parti socialiste. Alors il faut donner des bus gratuitement, donc les transports gratuitement, et vous croyez que vous allez vraiment soutenir un tel projet sans... Oui, mais bien sûr, notre pays, le Congo, a suffisamment des moyens pour y arriver. Et là, vous ne responsabilisez pas les gens quand tout doit être gratuit. Vous faites des maisons sociales, vous faites des transports des étudiants gratuitement. Même ici, ça n'existe pas là où il y a l'aisance matérielle quand même. Non, mais ici, nous sommes dans ce qu'on appelle les gens à faible revenu. Ça se retrouve un peu partout, même ici aux États-Unis. Quand vous avez des étudiants, des bus pour les étudiants sont des gens considérés à faible revenu qui normalement constituent la relève du pays de demain. Si le gouvernement a estimé avec ses moyens qu'il peut supporter ces gens à ce point, ailleurs on donne des bourses aux étudiants, on donne des moyens. Chez nous, si on peut y aller déjà avec ces signes forts des bus, c'est une très bonne chose. Les maisons sociales, telles que vous les dites, c'est pour une catégorie de population. Mais tout le monde est... 90% de la population congolaise est dans les besoins. Non, les 90% de la population congolaise n'est pas dans les besoins des maisons sociales. Absolument. Les 90% de la population congolaise est dans les besoins d'être responsabilisé, c'est-à-dire l'État, les gouvernements ou les régimes de l'IDP se bat et se battra encore pour ramener l'homme congolais dans ses valeurs qu'il faut, c'est-à-dire un citoyen congolais doit être capable d'avoir un travail décent qui lui procure un salaire décent qui lui permet de construire sa maison ou d'acheter sa maison. Mais c'est pas pour demain, ça. Non, nous nous battons pour ça. Nous sommes au pouvoir pour ça. L'IDP se bat. Nous allons encore nous battre pour le deuxième mandat. Et encore, nous voudrons que le deuxième mandat soit celui où le président de la République aura la majorité parlementaire ici de l'IDP pour lui permettre, évidemment, de mettre ce programme de l'IDP, ça marche et nous y allons, nous y arriverons. Ok. Docteur, donc, vous êtes très intéressant. Nous avons largement dépassé notre temps, mais étant donné que vous avez un compte de la matière, donc nous allons un peu avancer. Donc, la moisson étant trop abondante, nous sommes toujours à l'est de la République. Il y a une nouvelle équation qui vient de s'y ajouter, c'est-à-dire le transfert des demandeurs d'asile en Angleterre à plus de 10 000 km du Rwanda. Ils seront déversés à Kigali, le pays voisin, le Rwanda, le pays voisin en RDC. Et il faudrait faire savoir que la plupart des gens qu'on nous amène, ce sont les Iraniens, Afghans, Érythréens, Soudanais, qui, par ricochet, sont presque tous des musulmans, qui constituent le groupe islamiste. Nous constatons aussi que nous avons d'autres groupes islamistes très très dangereux dans l'Est de la République, c'est-à-dire l'Alliance de Forces Démocratiques ADF, qui est en train de semer la terreur et la désolation de notre population. Et il faut préciser que c'est seulement les hommes qu'on va amener. Il n'y aura pas de femmes, pas d'enfants. Comment vous sentez ce programme-là que tout le monde a décrié, sauf la RDC jusque-là? Oui, merci beaucoup. Vous savez, permets-moi de revenir tout petit peu à ce qu'on disait un peu avant, juste 30 secondes à une minute. Je voudrais rappeler les programmes de la gratuité de l'enseignement que le président de la République a mis en marche sur le plan national au Congo. Je voudrais ici, solennellement, à travers votre émission, louer les prouesses de l'IDP, même si les autres qui sont en face de nous ne les reconnaît pas. Mais au jour d'aujourd'hui, le président de la République a réussi à mener plus de 4 millions d'enfants à l'école grâce à ce programme. C'est vrai, ce programme ne pouvait pas, dès son commencement, être parfait,
mais il est en train de s'améliorer du jour au jour. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est que même les enseignants aujourd'hui ont vu leur salaire augmenter, ont vu leur désirata être en train d'être pris en charge par le gouvernement. Et ceci, ce sont des bons signes qui manifestent que l'avenir est meilleur. Et pour revenir à votre question sur la situation de l'Est, c'est une inquiétude. Nous avons suivi cette actualité pratiquement une semaine déjà. Je pensais que c'était le moment où, comme dans toutes les autres nations, lorsque une nation se voit menacée de l'extérieur avec des plans machiavéliques pour son avenir, les gens de cette nation, les élites de cette nation, que ce soit politiques, intellectuels, scientifiques et autres, se mettent ensemble pour travailler et mettre en place des mesures qu'il faut pour contrecarrer et faire échouer ces plans-là. Nous sommes tous en train de voir comment un plan qui est en train d'être monté à l'est du Congo pour arriver à des fins que nous avions tous décriées il y a déjà plus d'une décennie. Aujourd'hui, les gens que le Rwanda va amener de la Grande-Bretagne sont tous des islamistes, pour la majorité. Et ceux qui font la désolation à l'est du Congo aujourd'hui, ce sont des groupes islamiques. Et vous n'allez pas oublier qu'on nous a, dans le passé, parlé d'une installation d'un État islamique à l'est du Congo. Est-ce que c'est juste des questions que je me pose? Ce plan est en train d'être mis en place? C'est une question, chacun va avoir sa réponse. Mais ce qui est beaucoup plus important de notre côté, de nous qui sommes, qui avons la direction du pays à ce moment, c'est de rester en alerte, de jouer dans la grande diplomatie et surtout mettre toute la machine sécuritaire en place pour que tel plan ne réussisse pas. Et d'ailleurs, je vous dis encore que l'ONU, les Nations Unies a contredit ces projets-là en disant que c'était un projet qui était illégal par rapport au droit international, par rapport à la Convention de Genève. Et je connais aussi que notre président de la République est un grand diplomate. La RDC jouera sa partition pour que pareille chose ne réussisse pas. Si vous verrez, vous voyez bien aujourd'hui... L'ONU, c'est pire. L'ONU décrit et puis ne fait rien. Voyez ce que l'ONU, la MONUSCO a fait chez nous pendant des années. Voyez ce qui se passe en Ukraine. Donc, à part les déclarations vides de l'ONU, ça n'est pas, donc les actions ne suivent pas. Oui, nous savons c'est que multifacité de ces gens au niveau de la politique internationale, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la prise de conscience nationale. Très, très important. Il aurait fallu aujourd'hui que tous, si réellement on est tous Congolais, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, que nous pensions toujours à l'héritage que nous léguerons à nos enfants. Parce que ce Congo, nous l'avons réussi dans ses frontières actuelles, il faudra que nous soyons dans la capacité de transmettre ce Congo à des générations futures dans ces mêmes frontières. Et ça, ça doit être le combat de tout Congolais, partout où il se trouve. Très bien. Et le gouvernement en place, le président de la République, c'est la question qui les concerne au plus haut point de sa direction au jour d'aujourd'hui. Et je suis convaincu que le Rwanda n'en arrivera pas là. C'est juste une marionnette, mais ils n'en arriveront pas, vu la conscience collective des Congolais, et j'en suis confiant. Ok, un message vraiment patriotique et nationaliste, merci beaucoup. Alors, nous allons faire une chute. Parlons d'un fait qui a défrayé la chronique ces derniers temps en RDC, docteur Denis Mulunda. Je veux dire, les propos tribales, xénophobes, injurieux et même outrancieux à l'endroit des ressortissants du Kasaï par Mme Dominique Munongo, députée de son État.
Cette dernière a eu le soutien, malgré ce qu'elle a dit, des parlementaires de l'espace du Grand Katanga et surtout de son parti politique cher à Moïse Katumbi, le parti appelé Ensemble pour la République, par la bouche d'Olivier Kamitatou, qui, sur son compte Twitter, après que les gens parlent, les gens ont décrié, mais lui, il est sorti, et je cite ce qu'il a écrit sur son Twitter, « N'en déplaise aux incitateurs de haine et de division, la princesse Inanzi, c'est-à-dire Madame Dominique Munongo, a décrit avec courage les faits et réalités qui sont les nôtres. L'exode massif est une réalité. Apprenons à gérer nos différences et nos ressemblances par ce qui est bien que multiple. Nous sommes un. » Fin de citation. Du coup, la plainte déposée contre Madame Dominique Munongo a été retirée. Quel est votre point de vue? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je m'en félicite parce qu'au jour d'aujourd'hui, sous la gestion de l'IDPS, les gens peuvent se permettre de confondre la démocratie, la liberté, la liberté, comme on dit, la liberté de parole, les confondre avec l'incitation ou la manipulation des antivaleurs envers nos populations. C'est parce que l'IDPS au pouvoir a voulu que la démocratie se vive vraiment au pays, mais malheureusement, il y a des moutons noirs, des gens en cours de stratégie, les gens qui cherchent le pouvoir par toutes les voies, par tous les moyens, que ce soit les moyens du sang, que ce soit les moyens de la haine, que ce soit les moyens des génocides, ces gens font tout pour accéder au pouvoir par ces moyens malhonnêtes. Mais malheureusement, notre peuple a assez de maturité. Au jour d'aujourd'hui, il faut rappeler, les gens ont beaucoup parlé sur ces points, il faut rappeler à notre chère Madame Munongo que les Kassaïens et les Katangais sont un peuple, un seul peuple. Nous sommes, si vous rentrez dans l'histoire, on va vous parler de cette histoire de Sanga Lubango. Je ne vais pas aller dedans, nous sommes un seul peuple. Non seulement ça, les Congos restent un seul. Nous avons longuement péroré sur la situation de l'Est ici. C'est parce que les Congolais qui est au Bas-Congo, qui est à l'Ouest, ne voudra jamais voir l'Est du Congo être pris dans les mains de nos ennemis. Les Congolais qui est au Bandundu a des soucis de voir que les atrocités qui se passent à l'Est se terminent, que nos frères qui sont à l'Est ne soient plus tués. C'est ça l'âme de la République. Si ces moutons, ces détracteurs, ces personnes politiques en cours de stratégie pensent aller dans ce sens pour manipuler la population, je pense qu'ils vont échouer. Il faut rappeler que si les Kassaïens sont en train d'aller au Katanga, ils vont chez eux, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Moi qui vous parle, je suis né au Katanga. Le nom de Mulunda, comme on dit, c'est un nom katangé. Vous pouvez le constater qu'il y a beaucoup de Mulunda au Katanga parce que la personne pour qui mon nom a été donné en termes d'amitié, tout ça, c'était un ami à mon père qui est Katangais. Et nous, je suis né là-bas, on a vécu là, et jusqu'à ce qu'on s'est déplacé après. Ceci veut dire que vous ne pouvez pas séparer ces deux peuples. La preuve en est qu'en 1992, lorsque on a encore amené des manipulations politiques pour entraîner ces peuples, ces mêmes peuples dans les génocides, les frères Katangais qui ont tué les Kassaïens n'ont jamais vu les Kassaïens venir en revanche contre eux parce que les Kassaïens ont toujours ce sens de l'âme nationale, de comprendre que ce sont nos frères, ils ont commis des atrocités, mais à un moment, ils vont rester toujours nos frères. Il faut rappeler que si au Katanga, il y a tout ce qu'il y a comme activité commerciale, mais c'est parce que et les frères Kassaïens et les frères des autres régions de la République
ont tous mis la main dans ce que ces activités aillent de l'avant. La Gécamines a été construite à l'époque belge avec les mains coupées des Équatoriens dans leur forêt qui devraient aller cueillir des caoutchoucs. Et c'est grâce à la vente de caoutchouc que les Belges ont eu les moyens à construire la Gécamines au Katanga. Et pour arriver à construire ça au Katanga, les Belges sont allés chercher les Kassaïens qui étaient vers le sud. Ils sont venus chercher les Loubas, les Louas, parce qu'il fallait que ces gens amènent leurs muscles et leurs têtes. Et au jour d'aujourd'hui, les courants électriques qui alimentent la Gécamines viennent du Bas-Congo, du Congo central. Cela montre combien nous avons cette interaction entre tous les coins de la République, à tel point que personne ne peut se taper la poitrine de dire qu'il a un monopole dans telle ou telle autre chose. Donc les frères Kassaïens qui vont au Katanga sont dans leur pays, ils sont libres d'y aller. Et le problème du Kassaï, qu'on dise qu'il y a la faim et tout ça, ce n'est pas une exclusivité du Kassaï. Les mêmes problèmes qui se présentent au Kassaï se présentent au Bandundu. Les mêmes problèmes qui se présentent au Bandundu se présentent à l'Équateur, à Nisiro et par-ci par-là. Donc ce sont des problèmes nationaux qui doivent être pris en charge par les gouvernements de manière globale et nationale. Alors, le Katanga n'a pas de leçons à donner aux Kassaïens ou vice-versa. Mais il faut qu'on arrive à extirper les manipulateurs qui sont ces politiciens en cours de stratégie, en cours de modèles, les gens qui pensent qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi et profiter de la démocratie de l'UDPS pour entraîner la population, un seul peuple, dans les génocides et dans la haine. Et là, c'est là où moi j'interpelle maintenant la sécurité du pays. J'interpelle les instances, ceux qui ont la gestion de la sécurité nationale, les ministres de l'Intérieur, les ministres également de la communication. À un certain niveau, même ici, dans des pays de vieilles démocraties, il y a des choses qui ne peuvent pas être tolérées sur des plateaux de télévision ou sur la place publique. Et à plus forte raison que ça vienne des personnes qui sont officielles, qui doivent être vues comme des modèles d'une société. Alors, il faudrait que les institutions qui ont en charge des régulations de ces choses prennent leurs responsabilités en main. Il y a beaucoup de bavures sur des plateaux de télévision, beaucoup de bavures dans des discussions, dans des débats politiques. Il faut que chaque Congolais essaye de comprendre que nous sommes un seul peuple. Quelles que soient nos divergences sur le plan des idéologies politiques ou autres, mais nous restons un seul peuple. Nous devons nous respecter sur le plan de nos cultures, sur le plan de nos capacités intellectuelles, sur le plan de nos traditions. Alors, pour chuter là-dessus, je veux aussi saisir de l'occasion parce que il faut aussi voir les côtés positifs de tout ça. C'est que dans les Kassaï, il y a un besoin qui est dans l'urgence. Il y a un besoin qui est dans l'urgence. Si hier, les Kassaïens pouvaient se justifier que le gouvernement en place les empêchait d'aller construire, nous avons beaucoup de Kassaïens dans la diaspora, notamment ici aux États-Unis et ailleurs. Si les gouvernements ont justifié que les gouvernements qui ont précédé ont empêché aux Kassaïens de construire chez eux, d'avoir quand même des représentations des biens qu'il faut chez eux. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus la question. Il faut que cette génération de Kassaïens qui vit à l'extérieur puisse aller aider leurs frères qui sont sur terrain avec des coopératives, avec des éducations, avec des trainings, des leadership communautaires, enfin, de remonter
le niveau de vie des gens, le niveau de vie de l'économie, parce que spécifiquement, comme vous vous souviendrez, dans la ville de Mbujimayi, les gens ou la jeunesse étaient 90% liés aux activités de la MIBA qui est par terre. Et vous savez que la MIBA a été mise par terre à cause de ces efforts de guerre qu'il fallait imposer à cette entreprise à son temps lorsque le président Moussa Laurent Désiré Kabila se battait contre les rebelles à l'est du Congo. Et depuis que cette compagnie ou cette grande usine de production de diamants est par terre, les activités de la province sont également par terre. Et aujourd'hui, même si il fallait que le gouvernement relève cette compagnie, il faut que les gens comprennent que le diamant n'est plus d'actualité et ne peut plus constituer l'économie du Kasaï comme dans les temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des diamants qui sont fabriqués dans les usines. On n'a plus besoin vraiment de recourir aux diamants naturels comme on les faisait dans les temps. C'est que le marché des diamants ne représente plus des revenus capables de concentrer l'économie du Kasaï. C'est pourquoi j'interpelle des frères kasaïens qui se retrouvent partout, qui sont des experts dans différents domaines. Ils sont nombreux partout à travers le monde, de penser à apporter leur expertise au niveau local, apporter leur leadership au niveau local pour entraîner nos populations à, dans le leadership, aller dans d'autres secteurs de vie comme l'agriculture, comme des coopératives agro-pastorales, comme dans des micro-financements et autres. Nous avons les capacités de le faire. Ceci est aussi vrai pour toutes les autres provinces. C'est le cas pour l'Équateur, c'est le cas pour les Bandundu, c'est le cas pour l'Isiro et autres. Les Congolais, nous qui sommes à l'extérieur, nous avons maintenant un régime en place qui permet que l'expertise congolaise puisse être apportée au service de nos populations à la base. C'est tout ce que je peux dire pour ces points-là. Merci beaucoup. En tout cas, grand merci, docteur Denis Mulunda. C'est magistral et puis, comme je l'ai dit encore une fois, très nationaliste pour ce pays et surtout en tant que responsable et cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Alors, comme vous avez constaté, nous avons pris suffisamment du temps à nous impartir. Alors, je veux vous lancer l'ascenseur en vous demandant de nous dire ou de dire à ceux-là qui nous suivent votre dernier mot, docteur Denis Mulunda. Mon dernier mot pour la séance d'aujourd'hui, je voudrais tout simplement interpeller la population ou les compatriotes, les citoyens congolais partout où ils se trouvent, à travers le monde ou ceux qui sont au pays. Un peuple s'identifie partout où il se trouve que par son pays. Aujourd'hui, quel que soit ce que nous pouvons faire ici à l'extérieur, ici aux États-Unis, la question nous vient toujours, chaque jour, where are you from? On nous demande toujours, on nous pose toujours cette question. Même si tu fais des exploits ici, c'est-à-dire aux États-Unis. En français, where are you from, en français? Ah oui, ça, en français, ça veut dire d'où tu viens d'où? Quelle est ton origine? Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, tu peux faire des exploits aujourd'hui, ou quelque part où tu te trouves. Mais les gens, lorsqu'ils te posent cette question, ils iront sur Internet pour regarder et voir chez toi. Ils vont voir la République démocratique du Congo. Donc, c'est pour nous interpeller. Il est temps au jour d'aujourd'hui. Quelles que soient nos tendances politiques, quelles que soient nos divergences d'idéologie ou autres, mais le développement, c'est l'affaire de tous. Le développement, c'est toi, c'est moi, c'est l'autre, c'est nous tous. Ce n'est pas seulement le président de la République. Le président de la République, c'est comme un peacemaker. C'est-à-dire, c'est comme un déclencheur de l'action. Mais en réalité, chacun à son niveau doit faire quelque chose. Dans les privés, dans les pays où nous vivons, dans l'Occident, par exemple, si les peuples trouvent du travail,
ce n'est pas les gouvernements qui donnent du travail au peuple, ce sont des privés. Même si on peut dire qu'il y a des travaux à 20%, 15%, mais 80%, 70%, 60%, ce sont des privés, des initiatives des privés qui donnent du travail aux autres, qui donnent du travail à la population. Nous en avons les capacités, nous, Congolais. Essayons de penser à notre pays, chacun dans son coin. Ça peut être à Kinshasa, ça peut être dans les Mayombe, ça peut être à l'Équateur. Revenons, voyons ce que nous pouvons apporter comme expertise. Ce n'est pas seulement en politique. Aujourd'hui, les comédies congolais donnent l'impression qu'il n'y a que la politique qu'il faut faire au Congo. Non, je ne pense pas. Il faut que nous nous mettons. Essayons de voir ce que nous avons comme devoir, parce que les pays, ce n'est pas seulement les pays qui nous doivent, mais nous devons aussi à ces pays. Et nous serons demain capables à répondre à cette question. Qu'avons-nous fait de ces pays aussi beaux, grands et potentiellement très riches que Dieu nous a donné? Parce que ça ne sera pas seulement au président Tshisekedi que cette question sera posée. Ça ne sera pas seulement à tous ces dirigeants gauche-droite, mais à nous tous, cette question nous sera posée. Donc, prenons nos responsabilités. Allons-y faire ce que nous pouvons faire pourvu que nous apportons une pierre, même la plus petite qu'elle soit, elle peut résoudre quelque chose. C'est ça mon dernier mot pour aujourd'hui. Et je vous en remercie. Je suis très content de m'avoir donné cette opportunité de participer à cette grande émission avec vous. Et vraiment, je vous en suis reconnaissant et merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Dr. Denis Mulunda. Nous espérons aussi que ce ne sera pas la dernière fois que vous puissiez passer sur ces antennes. Alors, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous consacrerons d'autres émissions à la situation de la RDC. Jusqu'aux prochaines gestions sectorales, nous ne manquerons pas à recourir à votre expertise, bien entendu. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Alors, vous qui nous suivez de partout au monde, nous vous disons merci. Notre prochain numéro, c'est le week-end prochain avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City. Et nous vous disons bonne fête de Pâques. Pour ceux-là qui fêtent la Pâques, nous nous retrouvons le week-end prochain. Bye bye.